Einstein disait que l'imagination est la huitième merveille du monde. Tout ce que nous voyons, les smartphones, les téléviseurs, les frigos, tout ça a été l'imagination de quelqu'un. Oui, quelqu'un s'est assis un jour. Il a dit, comment est-ce que je pourrais me balader avec un téléphone? D'où le téléphone portable est arrivé. Parce qu'il y avait seulement le fixe. Donc, imaginez tout ce que vous voulez dans les études. Que ce soit sur le plan de la discipline à l'école. Que ce soit sur le plan du comportement avec vos camarades. Que ce soit au niveau de la compréhension des cours et l'obtention de vos notes. Imaginez tout ça. Vous voulez quoi? Vous voulez de bonnes notes. Vous voulez réussir votre examen. Vous voulez être en accord avec vos camarades de classe. Vous voulez être celui-là que les professeurs aiment parce qu'il est intelligent. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Imaginez tout ça. Lorsque vous allez imaginer l'attitude et le comportement d'un élève intelligent en classe, vous allez l'avoir. Tellement pas.